Le monument Al-Farouq a été celui devant lequel on a eu le plus d'aléas. Autant les djihadistes ont eu du mal à détruire le monument Al-Farouq, autant on a eu du mal à achever le processus de reconstruction parce que c'est très complexe, en ce sens que c'est en fait, il fallait refaire le monument, il fallait le sculpter. Et on sait que l'artisanat local n'a pas les compétences qu'il faut pour faire des sculptures. Donc on a été obligé d'aller le faire jusqu'au Burkina Faso. Et le transport, l'ingénierie, la maçonnerie, tout ça, ça a été très complexe. Et Dieu merci, aujourd'hui, Al-Farouq est hissé sur son promontoire. Et on attend l'inauguration et le jardin.